Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet accès direct délocalisé. Nous sommes installés à l'Imperial Palace pour une émission spéciale consacrée au Hi-Fi Festival. Avant d'accueillir mes premiers invités, un mot du journal de la rédaction qui sera présenté par Victoria Lopez. On rendez-vous à partir de 18h35, on parlera notamment de la suppression du TGV Annecy-Paris de 5h32. On commence notre premier plateau. Bonsoir à tous, merci d'avoir fait ce petit déplacement. J'ai donc le plaisir d'accueillir Gaëlle Pedretti, fondateur du Hi-Fi Festival, Frédéric Bourguet. Bonsoir. Et Jean-Philippe Montfort. Merci d'être là, bienvenue. On va commencer avec vous. Gaylor, ça y est, vendredi 18h, on peut dire que ça y est, l'édition 2019 est bel et bien partie. C'est ça, le Hi-Fi est parti, ça y est, l'hiver aussi est lancé. Que de chemin parcouru hein, depuis la première là. Oui, c'est vrai, je me remémorais ça hier en me disant que la première année, on avait ouais, je sais pas, 2000 festivaliers sur le cumul des 3 jours. Et maintenant, on est à 25 000. Donc, c'est juste génial. Et autant se dire que pour l'année prochaine, les 10 ans, on a encore plein d'idées pour que ça grandisse. Mais une marche par une marche, c'est comme ça qu'on monte le festival Hi-Fi. Vous vous attendiez à un tel engouement, événement, autant de succès ? Non, autant de succès, non. J'allais dire, on fait tout pour qu'il y en ait quand même et que ça soit crescendo. Mais en fait, ce qui est génial, c'est le mélange des générations. C'est devenu un festival alternatif. Il y a de l'humour, il y a des concerts, il y a du ski, il y a des stations. Enfin, en fait, ce qui est génial, c'est que maintenant, la fibre est tout à prix et tout le monde s'approprie l'événement, fait des choses et qu'on a ouvert le prisme à autre chose que le ski. Et c'est ça que je trouve génial. Ça devient un rendez-vous où les gens se voient. Et dans un monde où on est à fond dans le digital, je suis très content d'être un club de rencontres, en fait. Exemple avec de cette ouverture avec vous, Frédéric. Oui, bonsoir. Alors, deuxième participation, je crois, au ouais, Hi-Fi. C'est ma deuxième année. Vous animerez ce samedi une conférence sur le thème « Si j'étais un jeune sportif aujourd'hui ». Exactement. Avec notamment, je dis bien notamment, la présence de 4 grands champions en plus d'autres personnes. Alors, Jackson Richardson, Florence Masnada, David Smetanin et Perrine Laffont. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de cette conférence? Bah, en fait, l'idée, c'était effectivement, d'ailleurs, on est un petit peu dans le thème de l'origine. Hein, on s'est bien entendu encore une fois là-dessus avec Gaylord. L'idée, c'est de ne pas rester en fait des vieux cons, hein, parce que moi j'ai tendance à être une personne qui me dit ah c'était quand même bien avant et j'ai besoin qu'on me rappelle pourquoi c'est bien aussi maintenant et qu'on puisse essayer de mélanger les gens pour se rappeler ce qui était bien avant et essayer de le garder à maintenant et inversement ce qui est bien maintenant, essayer de comprendre pour nous qui sommes un petit peu je parle de nous, je parle de moi en tant qu'ancienne et vieille, voilà, qu'on m'explique un peu ce qui est bien. Et c'est vrai que je fais des rencontres extraordinaires depuis que j'ai lancé Salto, et avec des jeunes qui m'expliquent le sport d'aujourd'hui. Alors ils ont des problématiques qu'on ne connaissait pas, mais ils ont aussi des facilités qui sont juste géniales et que j'ai envie de partager avec tout le monde, quoi. Voilà. En quoi ce serait différent d'être un jeune sportif aujourd'hui plutôt qu'à votre époque pas si lointaine ? On va le découvrir demain, mais la première chose à laquelle je pense, c'est l'air de la communication. Ça, c'est du positif parce qu'on peut effectivement créer sa propre image et devenir sa propre marque. Et donc, même si on n'a pas les meilleurs résultats au monde, on peut réussir à vivre de son métier, de sa passion. Mais à l'inverse, à contrario, effectivement, il faut aller chercher ses propres sponsors. Ce que moi, je n'avais pas à vivre. Moi, nous, dès qu'on gagnait, on avait tous les sponsors et l'argent qu'elle avait avec pour pouvoir vivre et faire notre sport. Aujourd'hui, moi, je constate qu'il y a des personnes qui sont troisième au championnat du monde et qui sont obligées de faire des campagnes de crowdfunding pour pouvoir payer leur entraînement ou autre chose, et je trouve que c'est ça par contre dommageable. Donc il y a un juste milieu à trouver au milieu de tout ça, et j'espère que demain on va y réfléchir tous ensemble, quoi. Jean-Philippe Montfort, vous êtes le directeur de l'office de tourisme de la Clusaz terre de Frisky. Vous deviez être là présent sur ce Hi-Fi. Vous êtes partenaire officiel. Oui, tout à fait. C'est une longue et belle histoire avec Gaylor et le Hi-Fi. Ça fait 9 ans que ça dure. On est très fiers d'être partenaire du Hi-Fi. Et effectivement, on a un ADN commun qui est le frisky. La Clusaz a cette identité. On est une station qui crée des friskieurs, des freestylers, grâce à notre club des sports et surtout grâce à notre terrain de jeu. Et ça se traduit dans la programmation du Hi-Fi, puisqu'on est présent dans 6 films. À travers nos athlètes ou à travers des images qui ont été filmées à la Clusaz. Donc on est vraiment très fiers. Et très fiers d'avoir un festival comme ça. Parce que nous, en tant que territoire, nous, en tant que station, on a besoin d'avoir un coup de projecteur comme ça. Et comme disait Gaylord aussi, ce côté lié au digital, qui est pour nous indispensable, qu'on retrouve aussi pour nos athlètes. On les lance, ces athlètes. On les forme et puis on les soutient aussi. Il y a 17 champions qui sont soutenus par la station à la Clusaz, et c'est une grande fierté. Gaylor Jiming, c'est hyper important de pouvoir compter sur des partenaires comme la station de la Clusaz.
Oui, bah c'est top, surtout que je viens de voir que j'ai signé mon contrat pour 2020 et 2021, 2022, 2023. Et vous avez enregistré, donc merci Vite Mont Blanc. Non, bien sûr que c'est top. Nous, ce qu'on veut, c'est que la montagne se rassemble ici. Et forcément, la station proche, qui est dans effectivement culture du freeski, et pas que, parce que justement, ils ont eu des champions de toute discipline hors dehors du ski freeski, on va dire. Et ça, c'est important pour nous. Et en plus, c'est une station que je trouve. Entrer dans un patrimoine qui a une culture, qui a quelque chose en fait, et bah voilà, pour moi c'est très important, et c'est important que tout le monde se retrouve sur cet événement là et c'est le cas. Et il y a les moments d'ailleurs B2B que va faire la Clusaz, les moments B2C, c'est un événement qui rassemble tout le monde et les gens trouvent leur compte dans le village de Marc, dans des instants où il y a des échanges, parce qu'en fait là c'est un peu la rentrée pour tout le monde. Je voyais hier soir au Bifor, les gens voulaient se parler, se raconter, ils disaient ah, qu'est-ce qu'on fait cet hiver, qu'est-ce qu'on... Donc nous on est initiateurs de ce lancement. Je sais qu'il y a même des gens qui viennent signer des contrats sur le High Five, etc. Moi je suis content de tout ça, et pourvu que ça dure en fait. Ouais, non, j'ai juste envie de rebondir, alors pas sur la partie business. Ah, moi je suis pas quelqu'un qui vient du ski, en plus j'avais pas le droit pendant très longtemps à cause de mes contrats, voilà. Et à chaque fois que je viens au High Five, je me dis punaise si je savais rider, et ça me donne juste envie effectivement de monter, donc je monte quand même, mais faire mes petites pistes bleues et rouges. Tu peux négocier le forfait, voilà. En fait. Ah oui, pareil, ah, mais ça je veux bien. Je veux bien forfait. Monsieur de la Clusaz est présent, donc c'est l'occasion. Donc j'en profite, et c'est vrai que je monte avec plaisir de temps en temps, me faire mes petites pistes bleues et rouges, et je découvre mes petites sensations à moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, je trouve que de réussir à amener des gens qui ne sont pas forcément, parce qu'on parle beaucoup des gens qui sont de l'univers du ski, mais des gens qui ne sont pas de l'univers du ski, c'est génial de les avoir, d'avoir amené la neige ici et de nous faire découvrir. Donc merci pour ça. Il y a une très belle exposition dans le hall de ici à l'Impérial sur les origines du ski, à voir absolument. Oui, bah ça me tenait à cœur. En fait, ce que les gens savent pas, c'est que le ski a une vraie histoire qui date de la préhistoire, l'époque du néolithique, et qui a vraiment marqué toutes les époques. Et j'avais envie de raconter ça, parce que souvent on pense que le freeski a tout inventé, mais non, les gens avant l'ont fait, nous on le réinvente, tant mieux. Mais c'est bien de rappeler en fait qu'il y a eu des choses qui ont été faites avant, et de garder cette notion de patrimoine, d'histoire. Et c'est très chouette, les équipes ont fait un travail extraordinaire avec le département. Et je suis content qu'on dépasse ce cadre que des films, en fait. Il y a aussi des masterclass, des conférences au High Five. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, il y en a pour tout le monde. Et voilà, je suis ravi. Moi, je suis un organisateur heureux. Jean-Philippe Geller disait le High Five, c'est le lancement de la saison. J'imagine que pour vous, en tant que directeur d'office de tourisme, ça donne envie d'y être, là. On y est, on est prêt. On attend que ça, effectivement. On va présenter quelques nouveautés aussi, on va s'adapter, faire en sorte, on en a parlé un petit peu, hein, mais de se dire mais il faut mettre des gens sur les skis, le ski c'est génial, c'est incroyable. Et donc la Clusaz fait tout pour pouvoir amener des skieurs, créer des skieurs. Et c'est vrai que le High Five est une très belle occasion. Et cet hiver, on aura quelques nouveautés. Ouais. On va regarder d'ailleurs un extrait de films qui sont projetés, notamment par rapport à la Clusaz. On a vu ces images. Un dernier mot avant de se quitter, Fred. On rappelle l'horaire de la conférence, ce samedi. Ah oui, alors c'est de 16h à 17h demain. Donc du coup, je crois qu'on change de salle. Ce sera salle de l'Europe, parce qu'on est nombreux et je suis ravi. Et j'ai hâte de retrouver tout le plateau et tous nous retrouver entre nous. Et surtout profiter après de tout le festival. Et encore une fois, bah, vraiment, j'ai envie de skier. Donc merci de nous lancer, de nous donner envie. Il reste de la place, Geller, pour les séances. Dire, le dernier mot, c'est vous pouvez venir. Et alors, effectivement, il y a des séances qui sont complètes, mais vous pouvez venir voir le village de Marc, venir accéder à tout ça, il y a plein de choses, donc venez regarder. Et le petit mot justement, merci à la 8 Mont Blanc, parce que depuis le début aussi, c'est quand même une chaîne qui soutient, faut le dire, et pour moi c'est important, parce que pouvoir réunir tout le monde, que toutes les entreprises d'Annecy ou même plus loin rayonnent et soient là, voilà, je trouve ça bien, donc merci d'être fidèle aussi. Plaisir partagé, merci Proc. Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison? À très bientôt à la Clusaz. De la neige. De la neige. Alors avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus sur ce plateau. On va enchaîner avec notre nouveau plateau, avec deux jeunes. Juliette Willman. La relève en tout cas. Et Hugo Hoff. Bonjour.
Bonsoir à vous, merci d'être là sur ce plateau. Déjà, deux questions, questions toutes simples. Juliette, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, présente aujourd'hui sur ce High Five 2019? Eh ben, c'est vraiment sympa, c'est mon premier plateau. Et d'être au High Five, chaque année, c'est vraiment cool. Et comme vous disiez, c'est le début de la saison et je suis vraiment contente. Même question pour vous, Hugo. Bah, moi, je suis super heureux. C'est la première fois où j'ai présenté un film dans les salles de cinéma. Et puis, bah, y a tous les copains qui sont réunis. Du coup, bah, c'est une belle fête tout le week-end. Alors, Juliette, vous êtes là pour présenter un film, donc Naked. Vous apparaissez à l'écran en compagnie de Marion Herty, Agathe Jani et Juliane Grosdidier. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce film-là. Eh ben, on vient juste de le présenter. Oui, on sort du ciné. Et ben, l'histoire générale du film, c'était une mise à nu des sentiments féminins. Donc, c'est un film 100% fille. Et c'est un film féministe? Pas du tout. C'est pas un film féministe parce qu'on n'est pas non plus dans cet esprit-là, mais on avait juste envie de mettre en avant des nanas. C'est ce qu'on a fait. Et voilà, ça s'appelle Naked, donc en anglais nu. Et c'est une mise à nu des sentiments. Comment s'est passée la projection là? Eh ben, on a eu que des bons retours, donc c'était plutôt cool. On a réussi à faire monter toutes les femmes de la salle sur scène. Donc c'était plutôt une réussite et non, on est vraiment contente. Est-ce que ce film, il vous a appris, vous, sur votre personne, est-ce que ça vous a appris des choses sur vous? Alors oui, effectivement. Filmer, c'est compliqué. C'est génial, mais ça m'a fait progresser et j'ai compris beaucoup de choses. Et skier et filmer, c'est deux choses différentes. C'est deux métiers différents et c'est vraiment trop bien. Hugo, donc vous aussi vous êtes là, donc vous l'avez dit pour un film, un film qui s'appelle Opium. Qu'est-ce que ça vous fait de présenter cette œuvre pour ce High Five? Bah, c'est carrément génial, vu qu'on est quand même assez jeune et en début de carrière. Et bah, c'est une super opportunité de pouvoir aller sur un festival aussi grand avec des aussi gros films à l'affiche que les grosses productions comme MSP, Titan, tout ça. Et bah, c'est un honneur carrément de pouvoir montrer ça à un grand public. Opium, c'est avant tout l'histoire de deux potes. Vous et Hugo, un autre Hugo? Ouais. C'est ça, on est deux Hugo, donc on partage un peu tout ce qu'on fait dans une année. Donc il y a du ski, du snowboard, du skate, du surf. Et bah, on a essayé d'amener quelque chose de différent. Là, il y a un style un peu vintage et il y a un esprit un peu différent des films de ski d'habitude, un peu psychédélique. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris vous aussi quelque chose sur vous en réalisant ce film? Ouais, on a beaucoup appris parce que déjà il faut une grosse rigueur au niveau de tout ce qui est triage de shot, enfin le dérochage on appelle ça. Et après le montage, c'est un gros boulot. Nous on a shooté, filmé, monté et produit le film. Du coup c'est une grosse rigueur qu'il faut avoir et c'est beaucoup de boulot en post-production. Alors parlons sport et compétition parce que je ne l'ai pas dit, vous êtes aussi deux jeunes sportifs en activité, deux jeunes espoirs. Vous faites partie du Freeride World Tour, notamment vous Juliette. Comment est-ce que vous vous sentez là, pour cette nouvelle saison? Eh ben pas trop mal, j'ai bien hâte de remonter sur les skis. J'ai skié il n'y a pas longtemps, j'étais en hémisphère sud cet été. Mais ça va bien se passer j'espère et non j'ai bien hâte de remonter sur les skis. Hugo, vous l'objectif évidemment c'est d'intégrer le circuit. Ouais, c'est ça. La saison dernière, j'ai terminé quatrième. Du coup, bah, loupé une place la qualification. Mais cette année, je suis bien déterminé à aller sur le tour et je vais tout faire pour. Ce serait quoi une saison réussie là pour vous? Gagner le Freeride World Tour. Et moi, me qualifier et m'amuser. Quand on fait de la compétition, comme vous le faites, vous êtes à l'aube de votre carrière. C'est facile de jongler entre la compétition et le côté artistique, les vidéos? Moi je trouve ça quand même pas évident parce que c'est deux univers bien distincts. En compétition on doit être vraiment axé sur la performance et dans le film on a beaucoup un esprit beaucoup plus créatif. C'est pas le même style de ski, on s'entraîne pas de la même façon et du coup c'est quand même deux choses bien à part et c'est pas évident d'allier les deux en étant performant dans les deux. Juliette? C'est un peu pareil, moi j'essaye de bien scinder ma saison, d'avoir la saison de compétition et une fois que les compétitions sont terminées de passer au film parce que dans les deux, on met beaucoup d'énergie et la compétition, c'est important. C'est ce qui va nous faire grandir aussi. Et c'est important d'être vraiment là quand on est sur les compètes. Je préfère scinder ma saison et faire d'abord les compétitions et après le film. Au final, qu'est-ce qui est le plus difficile? La compétition ou les films? C'est pas pareil. Un bon film à faire, c'est quand même plus de boulot, je pense.
Ouais, il y a beaucoup plus de taf en termes de post-prod, tout ça, ça durerait beaucoup plus longtemps. Mais la compétition, après, c'est, on a le stress, on a les enjeux, le risque, la prise de risque. Bon, forcément aussi en filmant, mais c'est différent. Bon, la projection est passée maintenant pour le reste du week-end, ça va être que du fun, j'imagine. Ouais, que du fun. Non, après, il y a quelques activations avec les sponsors et tout ça, donc c'est cool. Mais oui, du fun. Hugo, on rappelle la projection pour Opium ? Eh ben, c'est à la séance 5 qui commence à 12h50 le samedi. Et bah, on a d'autres films aussi à l'affiche dans cette séance qui sont bien sympas à aller voir. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance pour la suite et puis surtout bonne chance pour la suite de votre carrière. Eh ben, merci à vous. Merci bien. Merci à vous. Allez, j'accueille mes deux derniers invités pour cette émission spéciale Accès Direct en direct de Hi-Fi. Bonsoir. Antoine Deneria, Guillermo Guise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Guillermo, on va commencer avec vous. Vous allez donc assurer la partie stand-up avec Baptiste Le Caplin. Vous allez vous produire dans pas longtemps, juste à côté, la salle de l'Europe. Est-ce qu'on a un petit peu de pression, là, aller à une heure et demie de passer sur la scène ? Ouais, parce qu'en fait, ça fait 4 mois et demi, je pense, que j'ai pas joué mon spectacle et je me rappelle plus de mes blagues. Donc, j'ai rêvé plusieurs fois que... que j'avais complètement oublié mon spectacle et j'étais sur scène, j'avais un trou de mémoire énorme. Donc non, mais en théorie ça devrait aller, j'ai un tout petit peu répété dans la chambre d'hôtel, donc j'y crois. Les skieurs, les riders, c'est un public que vous connaissez ? Les skieurs ? Ouais. Pas du tout. Alors moi je viens de Bruxelles, j'explique que... Le pays qui n'est pas forcément connu pour ses skieurs ? Ah, pas vraiment, il faut pas... L'altitude 100 chez nous c'est le point, c'est 100 mètres, c'est le point le plus haut et c'est vraiment très très haut pour nous. Donc j'ai pas une culture de la montagne du tout, mais je suis très heureux parce que c'est toujours des paysages formidables. Moi j'ai jamais skié de ma life, mais je suis toujours heureux de voir ça, je trouve que c'est fantastique. Vous avez quand même de la chance de vivre dans des paysages qui sont aussi beaux, quoi. On est pas mal. Ah, vous êtes vraiment bien. Est-ce que vous avez prévu d'adapter votre spectacle au public et à l'univers du ski ? Tout à fait, je vais faire que des blagues sur le ski. Toutes mes punchlines, ce sera à base de snowboard. C'est risqué, non ? C'est risqué, après les gens s'adaptent. Hein. Non, je pense que je ferai des blagues et puis voilà, j'espère que les gens qui skient aimeront mes blagues, honnêtement. Voilà. Antoine, ça vous aurait plu un high five à votre époque ? Bah oui, ça aurait été sympa, mais bon, bah, c'était une autre époque. Comme je disais hier soir au Before, je me sens un peu vintage, mais bon, c'était sympa et c'est sympa d'être là. Et c'est sûr que nous, il n'y avait pas de high five, mais bon, on avait différentes choses, d'autres choses, mais c'est sûr que c'est un festival qui est génial pour lancer la saison, pour que les gens pensent au ski, que ce soit des freeriders, freestylers ou disqueurs alpins tout simplement. C'est vraiment un bel événement qui lance la saison. Tout le monde commence à regarder des images de ski et à commencer à scruter le ciel pour que ça tombe. Donc c'est vraiment sympa, quoi. C'est primordial ce genre de festival pour encore plus démocratiser la pratique du ski, même si ici chez nous on n'a pas forcément besoin. Mais on a un exemple avec un Belge. Oui, je pense que c'est bien et je crois que même chez nous, on en a besoin parce que ben, malheureusement, tout le monde ne pense pas forcément au ski, même à Annecy. Donc, de faire un festival comme ça ici, ça rappelle aux gens que l'hiver arrive, qu'il faut commencer à réserver son forfait, à acheter son matériel ou à le louer et à penser à l'hiver. Donc, je pense que c'est primordial pour tout le monde et même pour des régions comme nous qui sont au cœur des montagnes. À l'époque où vous skiez, la vidéo, ça faisait partie de votre quotidien ? Non, pas du tout, parce que ben moi, quand j'ai gagné les Jeux Olympiques, ce que je raconte aux jeunes, c'est qu'il n'y avait pas d'Instagram, pas de Twitter, Facebook commençait à peine, j'avais pas de compte Facebook. Donc on avait un téléphone qui servait surtout et uniquement à téléphoner. On se prenait pas en photo toutes les 5 minutes, donc voilà, on faisait pas de vidéo, pas de photos. Les seules photos qu'on avait, c'était des appareils jetables qu'on faisait, développé 15 jours après ou des fois 2 ans après. Donc c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans le même schéma, c'était pas du tout la même chose et c'est vrai que c'est complètement nouveau, c'est un univers qu'on connaît finalement peu et qu'on apprend à connaître. Guillermo, quand on est humoriste comme vous sur scène, les réseaux sociaux, on connaît l'importance de la vidéo. C'est une importante de tous les jours. Ouais, et pour le coup, moi je suis vraiment très très nul à ça, donc je suis vraiment pas bon du tout. Mais effectivement, il y a des humoristes d'ailleurs qui grandissent et qui explosent grâce à la vidéo. Et je pense que ça, dans pas mal de disciplines comme ça, aujourd'hui c'est un outil qui est incontournable. Alors vous me disiez, le ski c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que l'avenue sur un festival comme celui-ci, ça peut vous donner des idées ? Ah, mais complètement. En réalité, c'est pas un choix. C'est juste que j'ai pas été baigné dans la culture du ski. J'ai jamais été en vacances au ski. Et donc, du coup, forcément, aujourd'hui, je me sens un peu raide, je pense, pour commencer. Mais pourquoi pas, en fait, franchement. Il y avait un super professeur là. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Exactement. Pourquoi pas ? Mais franchement, pourquoi pas ? J'ai essayé de faire du surf il y a 2 semaines. C'était catastrophique.
si je fais du snowboard, va savoir, peut-être du skateboard et tout. Il y a des gens qui skatent et tout, c'est super. Franchement, il y a une chouette ambiance. Franchement, j'adore la vibe, elle est vraiment très cool. Antoine, on était hier déjà là à la soirée du Before. On se rend compte que ce festival, c'est aussi l'occasion de se retrouver entre tous les grands noms du ski français. Oui, c'est vrai que c'est un événement vraiment sympa parce qu'on croise... Il y a des jeunes, il y a des sportifs actuels, et puis toutes les disciplines. Il y avait des skieurs alpins, des anciens, il y a des partenaires, des sponsors, des gens plutôt politiques. Enfin, il y a vraiment tous les milieux se rencontrent, et c'est vraiment, j'étais assez impressionné par justement ce mix et les rencontres, et tout le monde est content de se voir, de parler de l'hiver qui arrive, de se dire qu'est-ce qu'on a fait cet été. Et c'est vraiment un mix sympa et... Je dirais, il y a toutes les générations, toutes les disciplines et tous les horizons, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Quand on vient sur un festival comme celui-ci, on s'attend à voir quoi là, lors des projections? Est-ce que vous attendez quelque chose de précis dans ce que vous allez voir? Ou ce que vous avez déjà vu peut-être? Non, bah surtout de la neige, du blanc et puis du rêve, je dirais. C'est surtout faire rêver et donner envie aux gens, quoi. Guillermo, même question, vous allez, c'est prévu j'imagine de voir pas mal de projections d'ici à dimanche? Eh bien pas du tout, ça aurait pu, hein, et ça aurait été vraiment bien. Mais je joue demain, moi je joue vraiment ailleurs, donc ouais, franchement j'adore. En plus j'imagine que ça va être un truc vraiment bien, enfin, d'après de la manière dont vous en parlez et tout, ça a l'air extraordinaire, donc je regrette de ne pas pouvoir assister à plus de projections que ça, ouais. On rappelle donc l'horaire de ce soir pour 20h30, le spectacle. 20h30, salle de l'Europe. Des blagues sur le snowboard. Des blagues sur le snowboard. 1h30 de blagues sur le snowboard. Vous y serez ? Faut éviter les skieurs alpins. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'être passés par notre plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. On se retrouve demain nous pour deux nouveaux plateaux sur Facebook à 13h et à 19h. Tout de suite c'est l'heure du JT avec Victoria Lopez. Après une petite page de pub, on parlera de la suppression d'un TGV qui fait polémique. A tout de suite.